Salut, allez, c'est Simon, on se retrouve pour la découverte de ce Le Mans Ultimate qui vient de sortir, donc 8 mois quasiment après l'annonce de la sortie du jeu et très peu de communication de la part du studio. On se retrouve donc maintenant avec une, alors pas un jeu finalisé, une bêta payante, un early access comme on appelle aujourd'hui à 30 euros. Donc le jeu fait à peu près 17-18 Go de ce que j'ai vu, en tout cas moins de 20 Go, je suis assez étonné par rapport au contenu qu'il a proposé. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer de découper ça en plusieurs vidéos, vous faire des chapitrages, enfin essayer de faire quelque chose d'assez lisible pour vous. On va d'abord regarder au niveau de la configuration, du triple screen et un peu tout ce que propose le jeu. Et on va voir si le successeur entre guillemets de RF2, successeur par le studio, si ben, on n'a plus les voitures jaunes, si on n'a plus les bugs, si on a une interface un peu plus agréable à parcourir, enfin bref, toutes les choses qu'on va essayer de découvrir au travers de cette vidéo. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Premier lancement. On va voir ce que ça donne. Donc, pas encore configuré, rien du tout. On va voir si ça gère automatiquement le triple screen. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de propre. On va essayer de voir un petit peu les temps de chargement que se demande le jeu. L'interface, déjà, nickel. Honnêtement, l'impression déjà qu'il est en plein écran. Il prend déjà en charge le triple screen. Alors forcément, c'est un Nvidia Surround, donc ça, il n'y a pas de souci. On se retrouve donc avec la vidéo de trailer. Ça, c'est propre. Ça, honnêtement. Connexion à Race Control. Donc déjà, on commence par ça. Impossible à atteindre Race Control. Et fonctionnement en ligne seront indisponibles. Poursuivre. Allez, on va créer son pseudo. Allez, on choisit la difficulté, on va dire le niveau de réalisme, je suppose. Hop, on va se mettre expert. Donc on retrouve effectivement l'IA qui est en high, des dégâts qui sont réalistes, hein, bref, tout la base en mode expert. Et on est toujours, voilà. Allez, donc ça c'est propre, on se retrouve donc sur la page principale, donc avec le pseudo qu'on a indiqué ici en haut. Voilà, et ici vous voyez tout ce qui correspond au rating. On verra ça plus tard. Donc Race Weekend en ligne, My Profile, paramètres génériques. Donc déjà, c'est en français, il y a déjà du bon. Ensuite, est-ce qu'on va aller voir peut-être déjà tout de suite les paramètres? Voilà. Bon, jouabilité. Donc il y a des pré-réglages, ça j'adore. Merci RF2 pour ça. C'est vrai que ça vient de chez eux, hein. Ça a été noté comme ça et sur ACC c'est déjà présent. Des pré-réglages pour lesquels on peut déjà régler plus ou moins des choses. Donc là, rien d'exceptionnel, je vais laisser de base. Ensuite, je vais quand même redescendre. D'accord. Replay instantané, 20, ok. Là, on peut régler l'IA. D'accord. On va laisser ça pour l'instant. Essuie glace auto, phare auto, démarrage auto du moteur, voilà, ça on va laisser de base. Donc on va continuer à faire les réglages commandes. Donc on va déjà essayer d'ores et déjà de faire le mapping, voir un petit peu si ça fonctionne. Donc c'est tout bon au niveau de la configuration, du mapping des touches, tout a été pris en compte. Franchement, c'est easy, il n'y a aucune difficulté. Il va vous falloir une paire de boutons, ça je vous le dis clairement, il y a vraiment pas mal de choses. Donc maintenant on est sur l'affichage. Alors, donc le pilote Vidoloy demande quel écran principal on veut afficher. Donc on peut aller selon ce que l'on a en principal, le full screen, le boardless, le windowed. Donc moi je vais le mettre en boardless, on va laisser 7680. Alors taux d'infléchissement, peut-être pas. On va mettre à 120, 5 au vertical, je vais laisser off. Post-traitement, ouais. Full mouvement, FSA, non. FXA, on va mettre oui. Affichage multiple, oui. HUD scale, on va laisser. On va faire appliquer. Voilà, il a relancé directement. Ensuite, on va aller voir un peu plus bas. Hop, j'espère que tout est bon pour vous. Je vais peut-être, je remonterai de toute façon, vous verrez au fur et à mesure. Alors, graphisme, pareil. Merci, merci, merci d'avoir fait un pré-réglage. C'est quand même pas compliqué, quoi.
Alors, est-ce qu'on va se mettre en full? Est-ce que je tenterai pas en full? Allez, on va laisser. Et on va se mettre en full triple. Juste pour voir. Je vais regarder. On verra ce que ça donne. Donc là, c'est du full. À mon avis, ça va peut-être se ressentir sur les FPS. Mais bon, c'est pas grave. Au niveau du son, on va laisser deux bases également. Il y a quand même, vous voyez, pas mal de choses. Ok. Donc je pense qu'on est tout bon pour les settings. Ce que je vais peut-être vous faire, c'est en même temps que ça, vous mettre la vue du triple. Voilà. Bon. Alors on a fait paramètres. My profile, c'est votre... Voilà, ce qui correspond à votre niveau. Alors on ne prend pas visiblement ceux qui sont de RF2. Hop, on va revenir. Donc en ligne, d'après ce que j'ai vu, il n'y a rien. Si, on peut déjà commencer à faire des choses, j'ai l'impression. Il y a également le planning des choses. Alors, ils ont repris hein, ce qui avait été fait sur RF2, de toute façon. Intermédiaire et Advance. Ok, il y a déjà pas mal de choses de prévues. Allez, on va pas regarder ça tout de suite. On va juste commencer à regarder Race Weekend. Donc là où on va pouvoir se faire un petit peu de solo. Voilà. Les circuits. Voilà, pas se poser la question si c'est du mode ou si c'est de l'officiel, puisque comme vous le voyez, ce n'est que de l'officiel pour ceux qui ne savent pas. Donc, les différents circuits. Vous voyez en haut là ce que ça représente en triple screen. Hop, du coup, là pour moi, le clavier ne marche pas. Non. Bon, bref. Alors, Zebring. Allez, on va juste faire un petit. Poursuivre, donc on peut choisir la catégorie de voiture. Hypercar, LMP2, GTE. Allez. Voilà, on choisit la voiture. Donc c'est le même principe, hein, plusieurs onglets hein, que RF2, plusieurs onglets. Et quand on est dans l'onglet, on peut choisir la voiture que l'on souhaite. Donc si je prends la Ferrari, imaginons. Voilà, les livrets se trouvent ici, puisque de toute façon, ce n'est que cette voiture-là. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Et les paramètres de l'événement. Options avancées. Donc, il y a les essais. OK. 1 heure. Qualification. La catégorie. OK. Durée de l'événement. Ça marche. C'est une découverte. Hein, donc, vous voyez, pas trop m'en vouloir. Donc, là, on peut vraiment régler plus facilement le début. Voilà. OK. Si on peut avancer le temps. Ok, d'accord. Les qualifications, ça marche. On descend. D'accord. Bon. La météo. C'est clair. Hein? Ah, il y a beaucoup de choses, effectivement. Mais on va pas se plaindre pour une fois d'avoir la chance de, comment dirais-je, de pouvoir régler aux petits oignons tout ce qu'on veut. Alors moi, je vais laisser de base. Et dans avancer, il y a l'échelle de temps, effectivement. S'il y a des pannes mécaniques. Ok. Des limites de piste. Ok. Donc mécanique failure, c'est mécanique. J'ai pas vu s'il y avait consommation de carburant. Ça, c'est bien. On peut augmenter l'usure des pneus, la consommation de carburant. Je regarde juste en termes de dégâts. J'ai pas vu. On va voir ça. Ok. Non, pas faire start. Juste pour un premier ressenti, ce sera la fin de cette première vidéo, juste pour vous montrer un petit peu la base. On va regarder un petit peu le temps de chargement, qui me semble assez rapide. On le voit ici, vous le voyez également, hop, en bas à droite de l'écran. Là, normalement, à moins que je dise des bêtises, mais normalement, tout ce qui est télémétrie n'est pas encore dispo. Ça, on verra bien, mais je pense que tout ce qui est... en tout cas, l'heure où je tourne la vidéo, hein, Day One, au tout début, le dynamique ne va pas fonctionner, les vibreurs, enfin, CMUB ne va pas être pris en charge pleinement. Il va falloir voir quand Whatever fera une mise à jour, mais pour l'instant, voilà, c'est pas encore au point, je pense. Donc, un petit peu long chargement. Alors, pas de préconfiguration de base au niveau du volant, on laisse vraiment tout comme il faut. Je vais même peut-être mettre le profil de RF2. 100%. Allez, on va quand même vous mettre le son du jeu cette fois-ci. On va enlever, hop. Voilà, donc chrono en direct. On peut voir effectivement, hop, configuration, le setup.
Pré-réglage soft, medium, hard et wet. Ok. Ça me paraît pas mal, les infos du moteur. Donc là, ça doit être la première page, c'est pour la gestion des pneus et la configuration de la voiture. Ok. Alors, on peut regarder, commencer à piloter, passer la session. Et là, il y a configuration avancée. Donc, on peut faire vraiment la base, c'est-à-dire les ailerons avant-arrière, le carburant. Et ici, à mon avis, on touche, voilà, à tout ce qui est un peu plus compliqué. Groupe motopropulseur, ok. Roues et freins. Ah, désolé, hein, s'il y a le trip juste au-dessus, mais ouais, de toute façon, ça reprend en gros exactement ce qu'il y a dans Air Factor 2, mais d'une façon un peu plus, comment dirais-je, pas conventionnel, conventionnel, mais bon. Voilà, je peux descendre donc ça. Au niveau du FOV, je vais juste regarder quelque chose. J'ai pas vu la gestion du triple screen. Allez, commencer à piloter. Donc du coup, on va rien toucher. Je suis un petit peu limite hein, au niveau du champ de vision, c'est un petit peu compliqué. Alors là, je suis en full. À mon sens, j'aurais peut-être avancé un petit peu. C'est bizarre, je change le champ de vision, mais ça ne fait pas grand-chose. Du coup, ça va l'étirer un petit peu plus. Bon, on va laisser comme ça. Je regarde pour vous par rapport en haut. Ok. Bon, je vais peut-être descendre juste un poil. Non, je vais laisser comme ça. Descendre un poil peut-être pour vous. La caméra. Allez. Déjà, la rotation n'est pas bonne. On va se mettre ici. Bon, cette fois-ci, c'est bon. J'ai enfin fait mes réglages. Alors, tout de suite, mon ressenti. Donc, j'ai enlevé hein, tout ce qui était reshade, je ne vous l'ai pas mis. Mon ressenti graphique. Vous voyez, donc j'ai mis 90, je suis à 70 FPS là. Mon ressenti, c'est. Un petit peu de popping propre, mais. Un peu flou. Bizarre. Il va falloir que je baisse un petit peu le FFB, mais ça, pour l'instant, c'est pas le. Je vais commencer déjà par le. Je ne vais pas parler du FFB, alors pour l'instant j'en suis très très loin, hein. Je suis vraiment au tout début. Ouais, je. Merci, Lia. Ouais, je sais pas. Alors je vous ferai des comparatifs hein, sur la prochaine vidéo. Mais ouais, ça manque de peut-être de finesse. Vous voyez là-bas, c'est un peu flou. Alors, je vais pas dire un peu comme en VR, mais ouais, je trouve ça un petit peu approximatif. Voilà, ça serait plus le terme. Alors, moi, vous savez que j'aime bien rendre les simulations plus réalistes, donc je mets du reshade pour atténuer saturation et tout ça. Là, ouais, c'est un... je sais pas, ça fait fort jeu vidéo. Baisser la puissance du retour de force, c'est premier gameplay, premier ressenti. Mais ça, plus il va falloir que je fasse la découverte aussi de tous les réglages, puisqu'effectivement, là pour l'instant, mon triple screen est assez mal géré.
voyez pas forcément vous en haut, mais il y a la jonction en fait des écrans qui se fait mal. En fait, il faut qu'on puisse régler et l'angle et le bezel. Et ça, il va falloir que je cherche parce que là, pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Au niveau du son, ça me paraît très très correct. Honnêtement, pour l'instant. Ok, traction control, tout ça, on peut tout régler. On va retourner au garage, peut-être voir un petit replay. Je sais pas si on peut le faire. Les replays sont propres. Vous voyez là, là effectivement je tourne à 96 fps. Donc, alors bien sûr 40-90 et tout ce qui va bien, on est d'accord. Mais voilà, ça a l'air de bien fonctionner à ce niveau-là. Et je vais pas aller plus loin dans mon. Comment dire, pas dans mon test, mais dans l'analyse du jeu, puisque de une parce que c'est une bêta, mais surtout parce que je découvre en même temps que vous, en même temps que je fais la vidéo, hein, je viens de la voir, donc je vais pas critiquer plus que ça. C'était juste un début, une approche, vous montrer un petit peu ce qu'il y avait. Moi je vais continuer à peaufiner un petit peu mes réglages et mes recherches, et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, on se retrouve dans les commentaires pour en parler, et moi je continue tout ça, puis je vous ferai d'autres vidéos comparatives avec RF2 et tout ce qui va bien. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à une prochaine. Tchuss et bon amusement pour ceux qui vont le tester.